Alors, l'œuvre que je présente ici au Jardin des Noix cet été, elle s'intitule Rugosa. Elle est faite en fibre de verre. C'est en transplantant des plants de rosiers sauvages à la maison chez moi que je me suis piqué sur les épines, justement, ce qui m'a amené à les observer de très près. Alors, en voyant cette épine, j'ai eu l'idée de faire une sculpture et d'un objet très rébarbatif, agressif même. Au Jardin des Noix, ici, la sculpture se retrouve dans un site qui représente à peu près les mêmes conditions que j'avais au moment où je l'ai fait, où j'ai été inspiré par la création de cette œuvre-là. J'espère que le public, en voyant cette œuvre-là, en lisant le titre « Rugosa », bien qu'ils vont s'apercevoir que parfois des choses qui, en soi, peuvent être agressantes, répugnantes parfois, on peut les transformer quand on les regarde de la bonne façon en quelque chose de magnifique.